une jeune fille, c'est mardi 15 octobre 2024. C'est avec un pile en pile plaisir que nous, là, encore une autre fois, juste sont capables de permettre que vous étiez bien informés. Déjà, maintenant, abonnez-vous avec channel là, soit vous faites ça, et puis activez la cloche de notification. Il y a une façon pour capable de jouer une alerte à chaque fois que vous postez une nouvelle vidéo. Et pas oublier, vous capable de quitter un like sous la vidéo ça. Pour faire ça, il est très très simple. On juste remarquer une icône qui semble avec un pouce, ou à cliquer sur lui. Il y a une façon pour capable quitter un like sous vidéo ça et pas oublier capable partager ou capable toujours commenter pour partager avis par ensemble avec nous dans commentaire. Déjà nous souhaitons passer une très très bonne journée. À quelques semaines de élection dans pays États-Unis, mesdames et messieurs, gain en pile incertitude sous résultat élection yo, quel que soit le pas bon côté pas républicain, quel que soit le pas bon côté pas démocrate. Et bien raison c'est parce que tout dernier sondage a prouvé que pas de propre écart entre Kamala Harris et Donald Trump. Gen journal qui baille que yo à l'égalité. Tant qu'on a une vidéo que nous avons fait hier, nous avons capable de remarquer que NBC News te fait qu'on est que Kamala Harris avec Donald Trump yo à l'égalité. Gen BBC News qui fait qu'on est que Kamala Harris légèrement devant Trump. Eh bien, c'est pour nous dire que de toutes les façons, élection présidentielle là, Anissa, est vraiment, vraiment serrée. Pas de aucune opportunité pour que vous capable déterminer qui est le candidat qui est capable de gagner l'élection. Il y a un peu de monde qui a posé cette question. Est-ce que ça qui est passé dans l'année 2016 là, avec Hillary Clinton, lorsque Hillary Clinton lui-même, il a représenté le parti démocrate là, et c'est Donald Trump lui-même qui devait remporter l'élection, eh bien, il y a un peu de monde qui a douté sur le résultat de l'élection. Est-ce que Kamala Harris peut marquer l'histoire, ou bien est-ce que Trump lui-même peut prendre une autre 4 années encore comme étant président pays États-Unis. Et il y a un pile sondage qui te fait quoi que Kamala Harris lui-même, les pas jeune support garçon noir. Et bien Kamala Harris lui-même, il était jugé que l'innécessaire pour que il était capable de tenter prendre contrôle garçon noir lors de l'élection présidentielle 2024 là, mesdames et messieurs. Sondage a prouvé que c'est Trump qui te gagne majorité en ce qui a trait avec monde que garçon noir même il va supporter lors de l'élection présidentielle. Il y a un dernier sondage qui prouve que Kamala Harris lui-même qui est candidat démocrate là, eh bien, il joue le même support que président Joe Biden lui-même était joué dans l'année 2020 lorsque il a participé dans l'élection. Ça qui t'appelle contredire affirmation précédente là qui t'a fait connaître que Kamala Harris lui-même, il a perdu support yo, au profit de ancien président Donald Trump. Eh bien, il y a un sondage qui t'appelle réalisé par YouGov pour CBS News. Eh bien, sondage ça a lui-même l'étape prouvé que il y a 87% électeurs noirs qui sont capables de voter pour Kamala Harris, contrairement avec Donald Trump lui-même qui gagne seulement 12% électeurs noirs et bien qui a une intention pour qu'il soit capable de voter pour lui lors de l'élection qui vient là. Eh bien, sondage ça qui t'a pas réalisé dans l'année 2020, il a pas le même résultat avec sondage ça, il révèle exactement même répartition par parti avec 87% électeurs noirs qui ont déclaré que il a voté pour Joe Biden en 2020 et t'a pas le même pourcentage ça qui c'est 12%. Et bien, qui te déclaré que c'est appel pour Donald Trump que tu as appel voté. Et bien, mesdames et messieurs, à cause que nous connaissons déjà que la course lui-même est vraiment serré, n'importe variation de pourcentage dans la participation démographique spécifique dans l'État clé, eh bien, ça capable de déterminer l'issue de l'élection. Je nous connais déjà que si toutefois Kamala Harris est arrivé président, c'est pas la première fois dans l'histoire que une fille arrive président pays États-Unis et c'est pas le deuxième noir qui va venir arriver président pays États-Unis. Et bien entre parenthèses, n'a faut connait que gagne un agrégateur de sondage 538 dans moment que n'a parlé là, il fait connait que Kamala Harris lui-même, il gagne 53% de chance pour que il soit capable arriver remporter élection yo, tandis que ancien président Donald Trump, eh bien, il y a 46% de probabilité pour que l'État capable de remporter l'élection 2024 dans le pays États-Unis. Eh bien, c'est pour nous dire que si vous voyez que Kamala Harris lui-même joue un support électeur noir, ça yo, eh bien, ça a facilité juste pour être capable d'arriver à remporter l'élection. Ce n'est pas pour sans raison que Barack Obama lui-même, lors d'un rassemblement, eh bien, il a profité de l'occasion, il a adressé directement à garçon noir. Eh bien, c'est comme ça que Barack Obama lui-même l'a utilisé pour qu'il était capable de tenter de convaincre garçon noir pour qu'il soit capable de porter support pour Kamala Harris lors de l'élection 2024. Parce que Obama lui-même livré à tout prix pour que Kamala Harris lui-même arrive à remporter l'élection. Et bien, tout sondage qu'a fait là, c'est juste pour nous capables de gagner une idée de comment préparatif pour l'élection. Mais sondage ne pas dire réellement
qui est le candidat qui pourrait être capable de remporter l'élection. Et puis, il y a à la fois Trump et puis Kamala Harris qui ont fait campagne le jour qui était lundi dans Pennsylvanie. Je ne connais déjà que Pennsylvanie, c'est un état clé que, quel que soit le candidat qui a voulu remporter l'élection, et bien Pennsylvanie, état ça, et bien c'est un état pour que le candidat lui-même soit capable de tenter de contrôler. Et ce n'est pas pour sans raison qui cause que ni Kamala, ni Trump, et bien, il y a tenté de contrôle l'État ça lui-même qui c'est Pennsylvanie. Même lorsque nous connaissons déjà tout dernier sondage, il y a prouvé que Kamala Harris lui-même, Pennsylvanie, c'est un État que l'idée devant Trump. Mais à noter que l'idée devant Trump, mais ce n'est pas une différence qui est vraiment large. C'est un point ou bien deux points. C'est la différence ça qui gagne entre lui-même avec Donald Trump dans l'État ça lui-même qui c'est Pennsylvanie. C'est ça qui fait que Kamala Harris doit être très prudent pour que l'État ça. Il est capable toujours continuer kimbe même lancer et continuer tenter convaincre plus moun nan état ça parce que Pennsylvanie c'est un état pas bien sorti de là que Kamala Harris li doit gen contrôle état ça, c'est un état que Kamala Harris même li doit remporter si toutefois il t'a vle marquer l'histoire dans pays États-Unis. Et bien Kamala Harris même t'a pral organiser un rassemblement dans une zone qui gen républicain et également qui gen démocrate. Et bien je n'ai regardé un tableau là, c'est comme ça que Kamala Harris lui-même li gen Nevada, Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan. Et puis Trump lui-même li gen Georgie, North Carolina et puis Arizona. J'aime te dire là, mesdames et messieurs, et bien c'est comme ça que le sondage lui-même représente. Jusqu'à présent, il y a un pile électeur qui a incertitude sur Kamala Harris. C'est pour raison ça que cause que Kamala Harris li doit faire tout ça possible, continuer à parler de plan que le gagne, continuer. Parce que pas oublier que pas manquer trop de temps, manquer environ quelques semaines pour que l'élection même soit capable de dérouler. Eh bien, Kamala Harris, pendant quelques semaines, ça manque, eh bien, il y a intérêt pour que soit capable de convaincre plus de monde que jusqu'à présent qui a une incertitude sous lui. Eh bien, mesdames et messieurs, pour que Kamala Harris soit capable de tenter de convaincre garçon noir, qui ça a décidé de faire, eh bien, il a décidé de présenter un nouveau plan que le gagne pour garçon noir. C'est toutefois l'État vient président pays États-Unis. Et entre parenthèses, il faut connaître que garçon noir eux-mêmes, ils ont toujours voté massivement pour candidat démocrate. Et année ça là, bagala t'a pas viré quand tu avais un pourcentage qui était vraiment haut, qui t'a pas témoigné que pour élection ça, eh bien c'est derrière Trump que yo pral capable camper et tu as une raison qui te bail qui cause que d'après sondage, il t'a pas montré niveau pourcentage là même lié dans ça qui rapport avec électeur noir ça yo qui te dit oui que yo pral camper derrière Donald Trump. Et c'est pour raison ça qui cause que Kamala Harris même pour capable attirer attention yo, et bien il t'a pas présenter mais qui plan le gain pour si toutefois il t'a vu président. Et sondage t'a pas prouvé également que Donald Trump lui-même il te joue un avantage là sur Kamala Harris parmi toute ratio. Ça a fait sentir que il y a un pile garçon et bien qui pas t'a souhaité pour que t'a capable ouais que c'est une fille cap diriger. Parce que normalement d'après sa sondage rapporté, eh bien, sondage fait qu'on est que Trump lui-même te prend avantage là sur Kamala Harris en ce qui a trait avec garçon dans toute race. Ce n'est pas seulement garçon noir, mais dans toute race. Ça qui t'a alimenté inquiétude démocrate. Bien, d'après une estimation, fait qu'on est que il y a 90% de garçons noirs qui te voté pour Joe Biden. Eh bien, c'est pour nous dire que garçon noir même support vraiment important pour l'élection si là. Il y a un plan que Kamala Harris a présenté pour qu'il soit capable de tenter de convaincre garçon noir. Eh bien, Kamala Harris lui-même lui propose 1 million de prêts pour entrepreneurs noirs. Eh bien, Kamala Harris lui-même a lancé plan opportunité ça. Eh bien, c'est le jour qui était 14 octobre 2024 là pour garçon noir. Et selon conseiller démocrate là, eh bien, il fait qu'on est que proposition ça lui-même lui visé pour que vous soyez capable d'aider les garçons noirs dans le cadre de subvention ou bien pour que vous soyez capable de démarrer l'entreprise. Parmi mes yeux, ça, eh bien, Kamala Harris a mentionné près de 20 000 $ pour les garçons noirs. Eh bien, nous sommes capables de remarquer que Kamala lui-même a déjà montré intelligence. Lorsque il a déjà un pourcentage de garçons noirs qui ne peuvent pas voter, il a créé une façon pour qu'il soit capable d'attirer l'attention. Et Trump lui-même pas beaucoup de parle, eh bien, il toujours continue à faire effort juste pour être capable de continuer à attirer attention électeurs noirs et électeurs hispaniques. C'est pour raison ça qui cause que, jusqu'à mercredi 16 octobre 2024, là, eh bien, Donald Trump lui-même, il parle bien pour le rendre dans la plus grande chaîne de télévision de langue espagnole qui vient dans le pays États-Unis, c'est Univision.
Eh bien, Chop pral participer dans une interview pour que li pral tenter convaincre plus électeurs hispaniques. Et kounya, mesdames et messieurs, nous allons parler sur question économie. Dès que selon une nouvelle étude économiste, eh bien, on fait qu'on est que Trump lui-même est perdu face à Kamala Harris. Et lors d'une enquête qui t'a pas faite, économiste t'a pas fait qu'on est que plan politique économique qui proposé par ancien président Donald Trump, plan, lui paraît pire pour économie pays États-Unis hein, que plan économique que Kamala Harris lui-même lui présenté. Hein. Ça veut dire que Kamala Harris lui-même, plan économique que le présenté, bien, l'apparaît plus favorable pour que États-Unis lui-même ait une stabilité en ce qui a trait avec question économie. Économie, hein, c'est sujet qui est plus important pour électeurs lors de l'élection qui pourra bien pour fête 5 novembre cap venir là. Et candidat républicain lui-même qui c'est Trump et Kamala Harris lui-même, yo chaque là, yo ont un projet économique qui est différent. Et c'est pour raison ça qui cause que électeurs eux-mêmes, yo veuillez à ce que candidat qui a un plan économique que ouais qui paraît plus bon pour avenir pays là, et bien c'est lui-même que y a capable supporter lors de l'élection. Et bien pour expert yo, et bien au fait qu'on est que plan économique Donald Trump plan, il va permettre que inflation en lui-même li monte à taux intérêt et puis déficit. Trump lui-même dans ça qui a avec plan économique li, et bien c'est réduction impôt sur le supplémentaire à prestation de sécurité sociale. Ancien président lui-même lui proposait pour imposer droit de douane qui allait jusqu'à 20% sur toute importation et 60% sur marchandises qui sorti dans le pays la Chine. Et tandis que Kamala Harris lui-même voulait réduire fiscalité pour les entreprises, rétablir et puis augmenter crédit impôt pour les gens et puis réduire coût pour logement, vice-président lui également prévoit pour financer prestations sociales lorsque la augmenter impôt moun ki riche et également grandes entreprises. Et Kamala Harris lui-même lui voulait également lutter contre prix abusif juste pour être capable aider américains payer facture épicerie. Et bien en gros mesdames et messieurs, politique économique Trump présenté yo paraît pas favorable pour économie pays États-Unis. Plan économique Kamala Harris yo, le n'a comparé avec plan économique que président Donald Trump lui-même lui proposé, c'est deux bagages qui différents. Ou capable remarquer que Kamala Harris lui-même plan par là, il est capable de faire mieux à l'Amérique que plan économique Donald Trump. Passez une très très bonne journée.